Et salut à toutes et à tous les amis, et bienvenue pour cet unboxing un peu spécial, puisqu'aujourd'hui ce ne sont pas des cartes Yu-Gi-Oh! Mais des cartes Dragon Ball Z, ouais mec! Ouais, des putains de cartes Dragon Ball! Bon, alors, je suis fan de Dragon Ball, je pense que ça peut se voir étant donné que j'ai la boule de cristal à 4 étoiles. Ça peut, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, bullshit hein les gars, vous avez qu'à connaître aussi Dragon Ball. Hein. Voilà, c'est la base quoi, j'ai envie de te dire. Donc j'ai pris 3 petits boosters sympatoches, hein. Un avec Gotrunks Saiyan 3, je crois que c'est Gotrunks, on dirait bien. Un avec le méchant dans Xenoverse 2, je viens de tilter. Et un autre avec Goku Ultra Instinct, hashtag Dragon Ball Super, hashtag je suis pas très fan de Dragon Ball Super. Donc c'est parti pour les ouvrir. Voilà les trois. Les trois boosters hein, qui sont, je dois dire, magnifiques. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont d'excellente qualité. Et on va commencer par celui avec Gotrunks qui est dessus. Donc oui, c'est bien Gotrunks. C'est Gotrunks et c'est J3. Je ne me suis pas trompé. Oh, ils sont plus faciles à ouvrir que les Yu-Gi-Oh! Donc j'ai déjà commencé une petite collection de cartes DBZ. Bien évidemment. Une toute petite. On va tous les pré-ouvrir. Hein. Comme ça, c'est fait. Donc j'ai commencé une petite collection, hein, parce que j'aime bien DBZ, j'ai pas encore fait du Pokémon, peut-être un jour. Qui sait? Qui sait si un jour je ferai du DBZ ou pas. Du Pokémon ou pas. Mais le DBZ c'est déjà fait, j'ai un petit paquet là-bas de 100 ou 200 cartes à peu près. Et je me suis dit, ce serait pas mal d'agrandir la collection. En tant que fan, c'est la moindre des choses. Donc voilà, on va commencer donc avec Gotrunks, c'est parti. Et donc nous avons en premier C14, Exterminator de l'impasse, donc du film L'Offensive des Cyborgs, ok. Bardock, le guerrier éveillé, un personnage que j'adore, hein, le père de Goku. Super Giga Triple Fusion, c'est dedans le Dragon Ball Super, c'est parce que j'ai pas le souvenir de ce truc là. Mister Satan, le fanfaron. Aide de Guigui Dragon Ball GT, ouais. Babidi, je crois que j'ai déjà Babidi. Méga Canon Sigma Nat, nice. Je sais pas d'où ça vient. Pas, ça doit venir de Dragon Ball Super. Docteur Gero, inventeur satanique. Pumbuki. Alors lui, c'est celui qui était dans le groupe de Bardock, si je ne m'abuse. Kaioshin du Nord, défiant Bou. Sympa, parce que j'avais jamais vu en tout cas Kaioshin du Nord. Celui qui est absorbé par Bou. Commandant Nezi. Ok, pareil, je vois pas c'est qui c'est. Et dans Vegeta, c'est Giblou, au cœur audacieux. Bon, on va maintenant ouvrir. Donc, je sais plus comment il s'appelle comme méchant, bref. Oh, Bardock le guerrier éveillé, évidemment. Donc, c'est bien parce que par contre, Vegeta, j'ai eu en super brillante. Je pense que c'est d'ultra rare aussi, comme Yu-Gi-Oh! C'est 13 fusionné à sauf des destructions. C'est 13, nice. Trunks passerait vers le futur. Général Raid aux facultés dissimulées, donc Wizard dans le super, ne s'en parle pas du tout. Kibito, subalterne de Kaioshin. C16 au cœur héroïque. Thomas, solidarité à toute épreuve. Pareil, lui, il fait partie de l'équipage de Bardock. D'ailleurs, on le voit au fond, avec les trois dans le film Bardock. Jugement du temps. La petite. Bah, elle, c'est la Kaioshin du temps, d'ailleurs, dans Dragon Ball Xenoverse 2. Vaisseau spatial pieuvre. Dragon Ball GT. Kibyoshin pouvoir fusionner. Il est stylé. Honnêtement, il est stylé. Éveil, Vegeto, c'est Giblou, confrontation pleine puissance. Elle est magnifique. L'artwork est joli. Et Trunks attaque inébranlable. Ouh, deux brillantes, deux rares. Enfin, deux brillantes. Je sais pas si c'est du rare ou pas en fait. Parce que je prends juste pas en collection. J'avoue, je me suis pas trop renseigné. C'est plus en tant que fanboy qu'autre chose. Ah, Bergamote puissante grandissante. Bergamote, pareil, Dragon Ball Super. Tournoi du pouvoir et hashtag aussi tournoi face à. Au frère de Virus, je sais plus son nom. Docteur Miou, le conspirateur. Pareil, c'est tout fou, ça, je crois. Il me semble. Goku Black, donc Black Goku, hein. Arc Dragon Ball Super, meilleur arc de Dragon Ball Super, d'ailleurs, au passage. Renouveau de la justice. Vaisseau spatial pieuvre, encore, on a deux fois le même. Kinto Un. C'est Pierre Papier Ciseaux, je crois, de Goku Junior, ça, Kinto Un. Hein. Je sais plus. En tout cas, c'est cute. Il est cute de voir Sangoku petit comme ça. Attaque fulgurante, avec les C13, C14 et C15. Toa, l'espace-temps relâché. Donc ouais, pareil, Toa, Dragon Ball Super. Dragon Ball Xenoverse 2, pardon. Cookie, tu deviendras. Avec gros bout.
Bou pour les intimes, qui transforme Dabura en biscuit. Méga canon Sigma arrivé. Jean, famille de la justice. Guinée, pardon, je crois que c'est pas la mère de Goku. J'ai un doute, il me semble, je sais plus, dans le film Broly. Et Bardock et CJ3 forme libérée. Alors ça, par contre, la CJ3 forme libérée, je vois plein de fan art dessus, plein de vidéos, tout ça, mais pour moi, c'est du fake. Ou alors j'ai dû louper un OAV ou un fan film ou j'en sais rien. Avec lui dessus, mais la carte, en tout cas, elle est magnifique. C'est un truc de ouf. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas... Oula, putain, ça s'est foutu sur un collant. Ok, nice. Bon, la caméra s'arrête. Pile au bon moment. Je change de caméra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a un Utip, il vous suffit simplement de regarder une petite publicité. C'est un peu de sous, ça aide à acheter des cartes, c'est cool, c'est cool. Voilà, sur ce les amis, gros bisous, bye.